Depuis le 1er siècle, un livre de la Bible a impacté durablement l'histoire. Le livre de l'Apocalypse et ses étranges prophéties. L'apôtre Jean eut une révélation du Christ qu'il consigna dans ce livre lors de son exil sur l'île de Patmos. Les prophéties qu'il contenait furent adressées à 7 églises d'Asie mineure qui reçurent chacune une mystérieuse lettre. Je décide d'enquêter pour comprendre ce que représentent ces 7 églises. Quel est le message qui leur est adressé? Malgré ces récits effrayants, l'Apocalypse devint une source d'espoir pour les chrétiens, depuis l'oppression impériale romaine et au travers des siècles. Jusqu'à la période Constantine, l'Église a subi plusieurs vagues de persécutions où de nombreux chrétiens trouvent la mort. Mon enquête va me conduire de l'île de Patmos, dans la mer Égée, jusqu'en Turquie, l'ancienne Asie mineure, terre des puissantes cités antiques d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame. Que vais-je découvrir de l'histoire de ces premiers chrétiens? Qu'étaient-ils prêts à endurer pour suivre leur maître Jésus-Christ? Qu'en est-il de la persécution religieuse dans le monde d'aujourd'hui? Découvrez combien le message de l'Apocalypse est saisissant d'actualité pour notre génération. Et vous, seriez-vous prêt à tenir ferme face à l'épreuve du feu ?